Yo l'équipe, c'est Virus. Glitch. Comment modder un véhicule et le donner rapidement à son ami. Donc bien sûr, pour réaliser ce glitch, il va vous falloir quelques prérequis. Donc déjà pour votre ami, au moins un garage pour stocker les véhicules et de l'argent. C'est impératif. Il n'y a pas besoin de grand-chose, il y a juste besoin de ça. Vous, il vous faut l'atelier auto. N'importe quel atelier auto fera l'affaire. Je vous le montre pas, mais il vous faut le bunker. Donc vous verrez dans la suite du glitch que je me TP, enfin que je spawn au bunker. Donc c'est bien que je possède un bunker. Donc dans votre atelier auto, il vous faut au moins un véhicule de client pour le pouvoir le modder. Donc moi j'en ai deux, donc je vais donner deux véhicules à mon ami très rapidement et des véhicules modés dans votre atelier bien sûr pour pouvoir modder les véhicules que vous voulez donner. Donc en premier lieu, vous allez faire point de spawn au bunker, ça c'est impératif. Une fois que vous avez votre point de spawn au bunker, pour au moins être sûr de spawn dans le bunker, vous allez faire une petite sauvegarde. Donc ça, vous aurez à faire qu'une seule fois. Donc là, ce que je vais faire option en ligne éditeur. Je vais partir en éditeur pour être sûr de bien avoir spawn au bunker. Une fois que vous êtes dans l'éditeur, vous ferez une session sur invitation. Donc là voilà, je suis en éditeur. Là, option en ligne, session sur invitation. Donc la méthode, je l'ai vue chez le poteau Porto 95 Gaming. Je ne sais pas qui est le founder, mais je l'ai vue chez lui. Donc je mettrai le lien de sa chaîne en description. Pensez à aller vous abonner. C'est un bon gars. En plus, celui qui veut avoir de belles tenues, il n'y a plus qu'à le suivre parce qu'il fait de chouettes trucs à la caravane. Donc pensez à aller vous abonner et aller check sa chaîne. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçu au niveau des tenues, etc. Donc revenons au glitch. Une fois qu'on a spawn au bunker, bah, tout simplement, vous allez sortir et vous téléporter au plus proche de votre atelier auto. Donc jusqu'à maintenant, il n'y a rien de compliqué. Donc là, je vais faire option carte et je vais me TP au plus proche de mon atelier auto. Donc le temps que je me repère sur la carte. Donc là, c'est bon. Je vais choisir une activité tout à côté. Une fois que je suis dans l'activité, je vais rejoindre quelqu'un qui joue en mode deux visées différentes. Donc pareil, je vous mettrai le lien de l'autre poteau qui est tout le temps en titan, Monkey the Best Titan Service. Donc là, je vais le rejoindre. Premier message, je vais accepter. Deuxième message, je vais refuser. Là, c'est au moins pour avoir la visée différente. Donc lui, il est toujours en visée libre. Donc là, bah, c'est bon, je suis arrivé. Il n'y a pas vraiment de gros bugs. Donc là, je vais me rendre rapidement à mon atelier. Là, bah, une fois qu'on est arrivé devant, tout simplement, on rentre. Avant ça, je vais inviter mon ami dans la session. Comme ça, il n'y aura plus qu'à récupérer les véhicules. Donc bien sûr, comme je disais, pour réaliser ce glitch, il vous faut un minimum d'argent pour celui qui va récupérer, même pour vous, puisque vous aussi, vous pouvez faire ce qu'il va faire pour pouvoir les récupérer pour vous. Mais ça, cette méthode, je l'ai déjà présentée dernièrement. Donc là, je veux monter dans le véhicule dont je veux récupérer le modage, dont lui voulait récupérer le modage. Je vais faire flèche de droite. Je vais le ramener le véhicule dans l'atelier. Je vais juste lui changer, lui faire une petite modif, le blindage. Là, je remets normal, je ressors. Je vais me présenter devant le véhicule. Une fois que je suis devant, je vais faire option en ligne,
activité, jouer activité, créé par Rockstar. Je vais lancer une mission à travail de titan. Mais n'importe quelle mission fonctionnera pareil. Si vous n'avez pas le titan, pas de panique, c'est pareil. Donc une fois que vous êtes dans l'accueil de la mission, bah, dès que vous pouvez quitter, vous allez quitter. Et au moment où vous allez quitter, vous allez faire une fois flèche de droite. Vous allez entendre un petit clic. Là, voilà. Donc là, bah, tout simplement, pour que mon poteau la récupère, je vais inviter Lorenzo dans mon atelier. Je vais attendre qu'il spawn. Donc là voilà, une fois qu'il a spawn, il se met face au véhicule et on lui propose de l'acheter. Donc il fait carré. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, il faut au moins avoir l'argent pour pouvoir acheter ce véhicule. Donc là, il se fait livrer, il me dit, dans l'arène. Donc vous pouvez le faire livrer où vous voulez le véhicule. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vais lui en faire un petit deuxième. Donc pour vous faire un deuxième véhicule, il va vous falloir sortir de l'atelier. Donc là, je vais sortir. Une fois que vous êtes sorti, vous re-rentrez. Si vous ne faites pas ça, vous allez freeze dans le véhicule. Donc sortez de l'atelier, re-rentrez et vous pourrez enchaîner un deuxième véhicule. Donc là-bas, tout simplement, je recommence. Je vais monter dans le véhicule dont on veut récupérer le modage. C'est dans machin. Je vais faire flèche de droite. Là, je vais lui apporter une Faut que petite tu rentres déjà dans modification. mon petit Dans le lot. bladage, on s'en fout, hein. Faites ce que vous voulez. Je vais remettre le véhicule à sa place. Et là, vous recommencez. Vous allez vous mettre face au véhicule qui doit récupérer le modage. Là, je vais faire option en ligne. Activité, jouer activité, créé par Rockstar. Toujours pareil, une mission, un travail de titan. Vous lancez. Une fois que vous êtes dans l'accueil de la mission et que vous pouvez quitter, vous quittez et vous faites une fois flèche de droite. Si vous avez besoin de spammer, spammer, il n'y a pas de problème. Donc là voilà. Vas-y. Donc pareil, Lorenzo va se mettre face au véhicule et on lui propose de l'acheter. Donc il va l'acheter. Bah oui, Il le c'est fait sûr. livrer à l'arène. Donc là, bah, il va aller à son arène. Une fois qu'il est à son arène, il va m'inviter. Donc moi, en attendant, je vais sortir. Je vais le laisser se téléporter à l'arène. Donc je vous mets tout ça en accéléré. Le temps qu'il se téléporte, on va attendre qu'il m'invite dans l'arène. Donc là voilà, il m'invite, j'accepte son invitation et vous allez voir qu'il a les deux véhicules modés dans son arène. Donc encore, je me répète, bien sûr, il vous faut un minimum d'argent. Donc là voilà, regardez le premier. Voilà le deuxième. Et vous allez pouvoir constater qu'elle a des plaques avec des numéros. Puisque comme il a acheté, ça spawn avec des numéros. Après, vous mettrez votre plaque personnalisée. Donc moi, je vous dis bon glitch à tous. Profitez-en bien. Prenez soin de vous et de votre famille. Allez, ciao les potos.
Ciao, bye, à bientôt. Bye.